Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc pour cet épisode d'interface où alors donc, en fait j'ai fait un live et vous avez été plusieurs à me demander mon interface parce que vous a quand même bien plu. Donc là voilà, elle se décline, donc c'est un seul add-on qui se décline en plusieurs thèmes. Il y a aussi le thème du fell qu'on peut voir sur ma voleuse que j'ai mis, que je vous affiche à l'écran. Et par exemple ce thème qui est quand même bien sobre, qui range de base les barres de sort, qui est vraiment bien fait. Alors moi je fais un petit combo avec Bartender du coup, qui permet de bouger les barres comme je veux. Voilà, je les mets vraiment à ma guise. Et ce qui me donne quand même un bon petit résultat. Donc pour l'extension 8.0.1, c'est vraiment pas mal. Donc vraiment je vous le conseille. Comme add-on, c'est vraiment cool. En plus voilà, il y a l'option aussi, je sais pas si vous avez vu. C'est le fait donc aussi d'accepter et de rendre des quêtes automatiquement. Dès que vous parlez à un PNJ, il prend la quête directement. Vous n'avez pas besoin d'avoir du temps pour chercher, pour dire voilà, j'accepte, je lis tout ça. Hop, directement il accepte ou il prend la quête. Donc ça c'est cool. Si jamais vous voulez l'activer, sinon vous ne l'activez pas. Donc on va essayer de faire ça tout ensemble, donc sur un nouveau perso. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et comment à peu près la configurer. Alors ça dans l'ordre, donc là je suis sur mon singe, donc j'ai vraiment pas configuré. Et donc vous allez arriver une fois que vous aurez installé donc l'addon. Pour l'addon, si vous savez pas comment l'installer, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder bien sûr. Et donc voilà, dès que vous aurez donc téléchargé Spartan UI, vous aurez le choix en fait entre ces 6 thèmes. On va prendre le thème classique, qui est en fait le plus complet, je trouve, enfin le plus sobre, le plus confortable à jouer. Le thème de Fel est pas mal, même si pour les barres de vie je trouve ça un peu moche. Et le thème War qui peut être bien quand on est de l'Alliance, je pense qu'il est plus beau. En fait, de l'Alliance il sera tout bleu et de la Horde il sera tout rouge. Donc voilà. Bon, on va rester sur le classique, je pense que c'est quand même pour moi pour le meilleur. Donc je fais continue. Et donc là voilà, déjà je choisis donc Spartan Setup Assistant, Font Style, donc font, ça veut dire police, donc la police d'écriture. Moi je prends celle qui est en bas à gauche parce que c'est celle qui est un peu la plus grosse, la plus lisible. Faites comme vous voulez pour celle-là. Moi je choisis celle qui est en bas à gauche et je fais continue. Alors voilà. Et ça, alors automatically accept and turn in quests. Ça veut dire automatiquement vous allez prendre et accepter donc vos quêtes. Donc ça, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, décochez absolument. Hop. Alors ça, on arrive dans un truc qui fait que les items gris et les items blancs vont être vendus automatiquement à un vendeur dès que vous allez lui parler en fait. C'est à peu près ce que faisait l'item scrap, enfin l'addon scrap, qui vendait vraiment toutes vos merdes. Donc là ça le fait en vrai, vous pouvez le faire. Je pense que c'est pas mal, vous pouvez aussi indiquer le level. Moi je mets n'importe vu que je mets de toute façon que le gray et le white et ça, de toute façon peu importe le level, ça se vend direct quoi. De toute façon, le gris et le blanc, jamais ça ne se met. Donc c'est soit des items. Enfin, c'est vraiment des items inutiles. Donc quoi qu'il arrive, vous ne les mettrez jamais. À moins que vous voulez faire un Vanilla Challenge. Enfin, Iron Man, je veux dire plutôt. Iron Man, excusez-moi. Iron Man Challenge, sinon, bah tant pis. Donc là, voilà, on laisse ces deux cochés. Sinon, si vous voulez vraiment avoir rien du tout, vous pouvez décocher directement ici, donc ça enlève tout. Moi je vais quand même laisser gray et white parce que voilà, ça sera pratique quand même pour le futur. Continue. Alors, ce objectif module can hide the objective based on different conditions. Alors ça. Alors ça monte les objectifs pendant le scénario. Group only for combat. Vous savez quoi, ça, je pense que je vais le désactiver. Quoique, non, je vais le laisser activer, je vais le laisser activer. J'avais laissé activer sur le truc. Je vais le laisser activer et je vais faire un continue. Et là, ils disent qu'un rechargement, enfin un rafraîchissement de la donne, donc enfin de l'interface est nécessaire. Et quand vous allez cliquer sur finish, ça fait un reload. Donc là, j'ai cliqué dessus. Et boum, me voilà avec ma nouvelle interface, ma minimap qui est en haut, enfin qui est en bas, pardon, excusez-moi, au centre. Avec la molette, je peux zoomer.
dessus. Ici, il y a carte du monde, je peux cliquer soit dessus directement, soit appuyer sur M avec le raccourci clavier. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah voilà, si vous avez aussi Bartender 4 que je vous conseille de prendre, bah, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, j'imagine. Parce que j'aurais pas la flemme. Ah oui, j'ai mon petit pépé aussi sur la gueule. Avec Bartender 4, par exemple, un clic gauche, un clic droit. Voilà, vous pouvez changer les barres de place. Genre celle-là, bah, la barre 2, moi, il n'y a rien dessus, donc je vais la mettre ici. Ma barre 6, par exemple, au contraire, il y a plein de trucs. Du coup, bah, la barre 6, tac, je mets une rangée de 1 pour l'aligner. Du coup, je la mets en dessous. Hop, tac, 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 tac. Et moi, ça ressemblait à peu près à ça, quoi, avant. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Comme ça, bah, vous avez toute une barre ici en bas à gauche de sort. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal déjà. Enfin, ça permet de ranger, d'avoir une petite interface bien sympa, je trouve, pour ce début d'extension. C'est cool. Alors là, pour les barres de vie, si vous me demandez, c'est Tidy Plate aussi. C'est quand même pas mal. Ça permet de faire des grosses barres de vie au-dessus des gens, de voir les debuffs qu'on leur met sur la gueule. Donc franchement, c'est cool. Il y a plein de trucs à faire. Et voilà. Je pense que c'est tout pour cette petite astuce add-on. Si vous savez vraiment pas comment installer des add-ons, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Je pense que je vous la mettrai en... Je vais vous la mettre à gauche là, vers mon crâne. Je vais vous mettre la vidéo en recommandé, si jamais vous savez vraiment pas comment mettre, comment installer vos add-ons. Et donc voilà, regardez bien dans la description, je vous mettrai tout ce qu'il faut. Et sur ce, bah, j'espère que vous allez passer un bon moment sur WoW avec ces add-ons plutôt bien. Parce qu'avoir une bonne interface, ça donne un meilleur confort de jeu. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si c'est le cas. Et abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre, ça me fait ultra plaisir. Et on se retrouve pour un autre épisode. Salut tout le monde!